J'en viens maintenant à la participation. Je vous donne des chiffres bruts, remontés à 20h30 précises ce soir, et je vous les donne sans extrapolation. Chacun pourra se faire sa propre interprétation. Je précise également que tous les résultats de chaque bureau sont sauvegardés par des huissiers de justice mandatés par le syndicat national des huissiers de justice cette semaine comme la semaine dernière. Donc, sur 4322 bureaux de vote dont les résultats ont été remontés, soit environ 60% des bureaux de vote, il y a eu très exactement 1 101 180 votants. La participation est donc, à cet instant, en forte hausse, ce dont chacun pourra se réjouir. En ce qui concerne maintenant les résultats, les électeurs ont voté de la manière suivante. Pour Benoît Hamon, 58,65% des suffrages. Pour Manuel Valls, 41,35% des suffrages. Les votes blancs, 9910. Les votes nuls, 7902. Les chiffres seront actualisés en temps réel. Et je précise que la presse sera invitée dans la salle de la Haute Autorité pour suivre l'évolution des scores, évolution qui pourrait être tout à fait marginale, comme d'ailleurs la semaine dernière.